Imaginez que votre meilleur ami est à la fois votre pire ennemi. Une rivalité qui ne date pas d'hier. Deux colocataires, deux personnalités aux antipodes. Un combat sans merci, une lutte pour l'honneur et pour éviter la claque finale. Frank versus Girard. Cette semaine, celui qui reste éveillé le plus longtemps. Une journée de préparation et c'est parti. Le défi commence demain matin, 7h. Et dès qu'un des deux trouve l'autre endormi, c'est terminé. Et comme Morphée qui a été foudroyé par Zeus pour avoir confié des secrets aux humains, le perdant sera claqué sans miséricorde. De quoi tu parles? Ben... C'est tout le temps comme ça. Turlutine du marchand de sable. Sans sommeil, sans soupir de somnolence et sans songe, il faudra savoir surmonter subtilement les assauts incessants suscités par l'insomnie. Ma stratégie, faire un choix, celui de la santé, par l'exercice physique compensé, les instants trop longs passés éveillés. De bons légumes et des fruits ingérés et... Non! Et ainsi garder un moral d'acier. Et par mes poèmes habilement dissertés... Non, j'ai presque fini. Et par mes poèmes habilement dissertés, toutes les femmes du Québec charmées. Ma stratégie est très simple. Complètement à la mode et en deux étapes. Premièrement, économiser au maximum mon énergie. Deuxièmement, empoisonner la vie de Girard tout en économisant au maximum mon énergie. Pour se tenir éveillé, rien de mieux qu'un programme d'exercice physique judicieusement déployé. OK. Monsieur Girard? Oui. Salut, je me présente, Daniel. Ah, Daniel. Je suis l'entraîneur que tu avais besoin. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? OK, c'est vraiment pas compliqué. L'idée, c'est que je dois rester longtemps, réveillé le plus longtemps possible. Ça commence demain matin et je veux me servir de l'exercice physique pour m'aider. Moi, ce que je te suggère, c'est d'y aller quand même léger. OK. OK, quand même de faire un bon entraînement. Ça va te rester réveillé, ça, c'est sûr. Ça va te rester réveillé. Bon, l'économie d'énergie commence ici. Regardez-moi bien aller. Je viens regarder pour les Segway. OK, ben oui, ben t'es à bonne place. OK, très bien. Viens voir ça, je vais te montrer ça. Pourquoi tu veux utiliser ça exactement? Ben, c'est ça, c'est parce que, en fait, moi, je veux comme me déplacer avec le minimum d'effort possible. Mets le cash, je vais te montrer comment ça fonctionne. OK, excellent. Ça va aller avec ton ballon. OK, là, quoi? Hey, wow, OK. C'est où le break? On peut-tu breaker avec ça? T'as juste à te pencher un peu par en arrière. Tu vas voir, ça va freiner. Oh, hip, OK. Tiens ton ventre serré un peu. Parfait, on lâche pas. Je me sens réveillé, là. Come on! Pousse! Pousse! On revient! Allez, on lève les genoux! Excellent! Corde à danser, tout de suite! Je suis bon, corde à danser, j'avais beaucoup de petits amis dans le cours d'école. Les 12 mois! Non, c'est pas le temps ici, là, c'est pas le temps, allez! Non, pas comme ça, là. Je vais te montrer comment faire, OK? Let's go, come on, OK? Let's go! J'aime ça, on peut faire comme des jumps avec ça, un peu. Yeah! Un peu, là. Yeah. OK, hey, une chance, pas des enfants, c'est qu'on a. OK. OK, attends un peu, là. OK, ça marche pas du tout, là. Voyons. Voyons. Hey, OK, très dangereux, là. Moi, c'est pour faire dans un appart. C'est pour faire dans un appart? Oui. Ah non, ça passe pas dans un cadre de porte. Ben non, c'est trop gros pour un modèle. Tu veux un Segway pour te promener dans un appartement? Oui. Pourquoi tu veux faire ça exactement? Ah, c'est vraiment juste pour comme irritant pour mon colocataire. Ça va servir d'irritant, puis c'est pour me dépenser le minimum d'énergie. Mais je suis pas sûr avec ça. On dirait que j'ai trop de fun pour pas dépenser beaucoup d'énergie. Allez, 20 fois. Hop, 1, 2, 2. Allez, laisse la tête haute. 3. Allez, ouais! Debout, saute. Come on, 3,
Allez! 5! Allez, allez! OK. 6! Ça va bien? Let's go! Tu vas gagner! Tu vas gagner! Celui-là, il va être un peu plus petit, tu vas être un peu plus autonome. Tu vas pouvoir rouler plus longtemps en plus. Et tu vas pouvoir économiser plus d'énergie, puis tu vas pouvoir passer plus facilement dans les cordes de pas. Oh oui! OK. Très bon. Oh oui, c'est votre bureau, j'imagine, ici? Oui, OK, excusez-moi. Je vais... Hey, on dirait que ça va être lui que je vais prendre, moi, là. Allez, t'as un défi à gagner. Mets-toi ça dans la tête! Allez, 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 allez! Daniel, vous pensez pas que je vais être trop fatigué pour demain? Non, 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 c'est parfait, ça, ça t'énergise. Là, tu vas avoir une bonne nuit de sommeil, puis demain, tu y vas à petite dose. Allez, come on! Come on! T'es capable, t'es capable! Focus! Focus! Attention à la map. Oui. Oh! Bien, hein? Ouais, hey, merci! Bonne journée, bye! Bye. Petit vélo stationnaire acheté de seconde main d'une vieille dame avec comme seul petit défaut une selle dont l'écrou est cassé, mais ça peut tenir un petit peu un certain temps quand même. Apporte-moi le téléphone. C'est quoi ça, là? Oh. Attention à tes pieds. Je me suis tout organisé pour économiser de l'énergie pour demain. J'en ai les filles, moi. J'ai de la bouffe pour demain. La bouffe. OK, je suis pas sûr qu'il y a le droit de faire ça, là, par exemple. Est-ce que... Oh. Est-ce que quelqu'un peut appeler l'avocate de la presse télé, s'il vous plaît? Chut! Arrête avec l'avocat! Arrête! C'est long! OK? Oblige-moi pas à parler fort! Je m'économise! Où le téléphone? Faut que j'aille appeler maman. Ça, c'est pourquoi? C'est pour... Pour faire pipi. Arc. Pis ça? Arc. Je m'en vais me coucher, moi. Faites pas de bruit. J'appelle maman, pis je me couche. T'es parti se coucher pour vrai? À 7 heures, je ne serai jamais capable de dormir. Parle moins fort. Je me couche. Bonne nuit, mon amour. C'est genre qu'il y a de la musique. Ben, c'est la musique! Ouais, la musique, c'est le voisin. Le voisin? Félix, il fait un party. T'es-tu en train d'écouter avec un verre? Oui, c'est un truc de détective. Mais c'était avec un entonnoir. Non, c'est avec un... Je pense pas que le voisin fasse un party. Pour faire un party, il faut des amis. Il fait une fête. Et c'est comme si tu me disais que tu faisais une fête. J'en ai des amis, tu sauras. On va commencer par toi. Je vais y aller, y parler. Toi, si c'est toi qui y vas, là, tu vas revenir, puis... Ça va rien changer. Moi? On va y parler. Enlève ça de ta tête. C'est bon, c'est bon. Arrête. Arrête. Je vais y parler. Salut, Félix. Hey, salut. Allô. On a entendu qu'à côté, tu faisais une petite fête, là, puis... Ça fait beaucoup trop de bruit, peut-être. La musique est un peu forte. Un peu forte, un peu trop forte pour dormir. Nous, on voudrait dormir. Je comprends. Parfait. Yann a rencontré votre nouveau technicien. Oui, Yann. Puis il m'en a parlé de votre défi qui commence demain de s'endormir. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut. Donc tu dois comprendre un peu ce qu'on dit quand même. Écoutez, les gars, là, ça fait 3 ans que vous foutez le bordel ici. Hein. Vous êtes dérangeants, vous êtes désagréables. Vous mettez des fils partout à terre. Moi, mon party à soir, hein. Je l'ai organisé pour vous faire chier. C'est clair, ça? Ok, non, okay. Attends, Félix. Non, non, je pense pas que c'est ça que tu veuilles nous dire. Viens-tu te dire, j'ai ça pour faire chier? Ouais, techniquement, c'est ce qu'il a dit. Hé, les gars, restez pas ici, là. La musique, elle baissera pas. Quoi? Ok, attends. Hé, hey, non. Je vais pas gérer. Non, je sais qu'il est tard, mais on va aller chercher nous-mêmes. Faites-en pas. Oui, j'en fais bien attention.
Yeah, man, merci. OK, putain. OK, là, t'arrêtes. Quand je dis j'ai un plan, t'arrêtes de parler. Oui, donne-moi ton téléphone. Non, je le garde, s'il rappelle. Tu vas tout faire foirer. Mais là, ouais. Mais elle est en haut, là. C'est bon qu'elle... Félix, là, c'est pas à qui s'attaque. T'as pas, on va mettre ça sur la glacière, là. Je pourrais être ma glacière pour... Ils nous cherchent. Ils vont nous trouver, man. Et qu'ils vont nous trouver. Ça fait combien de temps que la musique est arrêtée, là? 15 minutes. Encore 2 minutes pour on le part. 5 minutes. Le temps qu'il s'endorme. OK, tu mets ça dans le tapis, là. Les yeux vont être pétés dans les orbes. T'es-tu prête? Go! Mission accomplie. Ça va bien dormir. Et quoi, il est 4h20? Ouais, il nous reste 2h30 de sommeil. Je te réveille à 7h, la mienne. Moi, j'ai hâte de voir ça. Parce que si tu te réveilles pas à 7h, tu perds le défi. Quoi? Attention. Hey. Attention, là, c'est dangereux, hein. Faut jamais que tu te tiennes en arrière d'un Segway. Non, mais comme là, faut que tu t'en ailles absolument. On le sait pas, je pourrais reculer. Faut pas que tu te tiennes en arrière. Comme là, t'es pas dans le bon. Hey, as-tu entendu qu'est-ce qu'il a dit? Loulou, t'es bout. T'es bouté. Comme là, t'es pas à bonne place du tout. Veux-tu un petit coussin, toi aussi? Oh, hey, voyons, excuse-moi. Oh, voyons. Mais ça tient réveillé, par contre. Oh, hey, attention! Oh! Tu as loué combien de temps, ton maudit Segway? Ah, je l'ai pas loué. Je l'ai acheté. Hey, au fait, on s'en va où, là? Je sais pas, moi, je te suis. Non, c'est moi qui te suis. Mais non, c'est moi qui te suis. Tantôt, t'as dit que t'allais faire une commission. Ah, ouais, c'est vrai, ma commission, mais là, je suis pas du tout dans ce coin-ci, là. T'es en train de me dire que je cours depuis tantôt pour rien? Hey, crie-moi pas après, là. Je suivais pour m'assurer que tu faisais pas de sieste. Mais là, regarde, c'est pour me crier après, là. Je t'attendrai pas, OK? Moi, j'avais pitié de toi. Je vais aller faire ma commission tout seul. Non! Hey, attends-moi, là! Mais tu dors? Hein? Si profond sommeil, tu dors? Impossible. Non, mais s'il dort, il perd. Pourquoi vous dites rien? Il dort, il a perdu! Est-ce que c'est nécessaire de crier de même? Tu dormais, t'as perdu! Prouve-le que je dormais. C'est impossible de dormir les yeux ouverts. Ah! OK, un autre. Ah! Ah! Thank you.
va? C'est pour toi que je... Ah! Oh! Oh, ça marche. Ok, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Ah! 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 Mais je suis pas trop frais! Ah! Arrête! Ah! Les pièces, c'est le même pas! Ok! Ah! Ok! Échec et mat! Échec et mat! S'en aller. Je suis même trop fatigué. Hey, tu dormais-tu toi là? Non. T'as dormi là? Non, non. Je t'ai vu t'endormir par exemple. Il faut que tu fasses attention parce que t'es sur le bord là. Je pense pas, non. Je pense pas. Tu as dormi, par contre. C'est le bar. Non, j'ai pas dormi, là. Je t'ai entendu, je t'ai pas vu, mais je t'ai entendu. Je faisais, je t'ai entendu dormir. Non. Tu parlais de l'histoire des skidoux. Skidoux, puis. Hey, arrête de dormir. Hein? Quoi? Arrête, là! T'as pas le droit, si tu dors, tu perds. C'est toi, là. C'est moi qui t'ai réveillé. Arrête, j'ai cogné. Ben non, c'est moi, là. J'ai cogné. Hey, j'ai cogné. T'étais plein de baffes. Ben non, je t'ai vu, tu te souviens quand je t'ai réveillé. Je pense pas. T'es donc bien pas bon. T'es-tu échappé dans ton pantalon? Non, c'est ma... C'est quoi? C'est ma solution d'urgence. C'est quoi, c'est dans le sac? Oui, c'est un gars qui me fait ça dans le nord de la ville, là. Ça sent le caca, ton affaire. Oui, il travaille dans le milieu des fosses septiques. Oui, non. Mais voyons donc, fais pas ça! Mais pourquoi tu fais ça? Attends, là, t'es-tu en train de respirer le caca d'un gars que tu connais pas trop? Ah, ça marche, par exemple. Mais là, Gérard, va pas si loin, t'avais juste à me le demander. Okay, moi, je me rendors, là, ça marche plus. OK, j'ai une idée. On est les dégueulasses, puis on va faire la toune. Réveillé, là. J'ai les mains gelées. Une autre minute. Dernière. OK, switch. OK, c'est parti. Ah ouais, vite. Ah. Comment je vais perdre connaissance? Ok, on rentre, on s'endormira plus correct, là on est bon pour au moins 2 heures. Ok. Ok, on reviendra chercher ça. On reviendra chercher ça demain. On aurait pas dû aller sur le toit, c'est pire là. L'effet froid-chaud. Je te check. Quoi? Je te check. OK. Toi, on va te coucher, tu vois, mec, t'es plus capable. Je suis très, très capable. Mais non, t'es plus capable. On va te coucher. Oh. Tu vas bien, là? Tu joues avec ta santé, va te coucher.
je vais faire un appel. Je suis Sissi, le Sirex de café. Et je suis très fatigué. Salut, maman. C'est 36 heures qu'on dort pas, plus l'autre nuit d'avant, on a dormi genre 2 heures. Maman, là, je t'appelais juste pour que tu m'aides à me rester éveillé. Salut, maman. C'est 36 heures qu'on dort pas, plus l'autre nuit d'avant, on a dormi genre 2 heures. Maman, là, je t'appelais juste pour que tu m'aides à me rester éveillé. Salut, maman. C'est 36 heures qu'on dort pas, plus l'autre nuit d'avant, on a dormi genre 2 heures. Maman, là, je t'appelais juste pour que tu m'aides à me rester éveillé. Salut, maman. C'est 36 heures qu'on dort pas, plus l'autre nuit d'avant, on a dormi genre 2 heures. Maman, là, je t'appelais juste pour que tu m'aides à me rester. J'ai gagné. Je vais me coucher, je t'aime, mais j'ai pas envie de faire le défi. Je vais me coucher, je t'aime. Qu'est-ce qu'on fait? Pour la claque de Frank, merci Gérard. Ok, ils sont où? Paye-toi, mon gars. C'est parti, mon gars. Attends, là, la prod sont pressés. Mais non, mais je suis plus capable, là! OK, il embarque, là. Mais je te garantis pas de ce qu'on va avoir l'air. Tiens-toi fort! OK, là, tu prends trop de place, là. Je suis sur le bout des pieds. Ben là, va falloir s'organiser autrement.